Salut les gars, c'est Morgane Pro, j'espère que vous allez tous très bien. Maintenant, j'aurai une petite surprise. Pour une fois, je vais pas jouer à mon Ghost. Je vais jouer à mon premier jeu rétro. Sur RetroArch. Vous avez déjà entre vous du jeu. Je vais jouer mon premier jeu rétro à Pokémon Jaune. Édition spéciale Pikachu. Si vous le connaissez, très bien. J'aime beaucoup ce jeu, je vous jure. Bon nouveau jeu. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Ma chaîne, les gens souvent appellent le professeur Pokémon. C'est le monde des peuplés, des créatures, des noms de Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques. Pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est une profession. Tout d'abord, quel est ton nom? Moi, je fais moi-même. Moi, c'est mon bon. Je crois. Je fais mon grand concours. Je viens de dépasser le R. Je vais toucher ça aussi. Je vais toucher ça aussi. Ah, donc je peux prendre un. Ok. Donc je suis ok. Je viens de finir. Ok, on va aller dans le problème. Voici mon petit fils. Il convient de plus à plus de violence. C'est quoi donc son nom déjà? Déjà, je sais pas comment je vais appeler. Mais généralement, je lui donne mon nom de mon frère. Mais aussi, il aura sa propre chaîne. Votre nom, je pense. Il est en train de toucher. C'est très bien. Je vais préférer une situation que tu fais. Lâche un peu. Aïe un peu. C'est pas vraiment c'est beaucoup plus bon que tu fais. Ici. Donc M. Il est où M? Ah, j'ai. Ah, ok. Et on le H aussi. Donc le N. Ok, c'est fait. Enfin. Ah oui, mais je me souviens. Sans lancer ce mode. Marwan, ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêve, d'aventure et de Pokémon t'attend. Dernier. Je pense que ça va être ici dans le jeu. Ah! Marwan joue à la Super Nintendo. Ah, oh, c'est Super NES. Bon, on y va, non? On dirait que c'est censé être un Game Boy. Parce que généralement, ça n'est pas du même temps. C'est un peu plus ancien. Le Game Boy, je pense. Sinon, le contraire. Mais bon. Il arrive qu'un jour, le fils aîné quitte la maison. C'est la vie. Professeur Chen te cherche. Il est dans la maison voisine. Donc le professeur Chen est dans la maison voisine. Moi je connais très bien le jeu, il faut juste le finir. Il n'est pas ici mais tout en bas. J'ai quand même ne pas passé le dialogue pour vous. Si vous connaissez pas ce jeu. Hé hey, bébé, il n'est pas là. Je suis venu parce qu'il a. Il est un Pokémon. Ah, lui aussi là, il aura un Pokémon. Je pense que c'est lui aussi. Lui aussi, bon, déjà. Je et toi là, ne pars pas. Non, c'est le professeur. De justesse. Des Pokémon sauvages vivent dans les hautes herbes. Oh, c'est un Pokémon. C'est Pikachu.
Pikachu sauvage quand même. Bon, Professeur Chien va le capturer. Bizarrement, j'espère qu'il pourrait le capturer facilement. Juste avec une Pokéball. C'est tellement de la chance. Capturer le Pikachu est capturé. Bizarrement, c'est... J'ai jamais vu une capture pour vous. Fou! Des Pokémon sauvages peuvent surgir à tout instant. Tu as besoin de Pokémon pour te protéger. Allez, suis-moi. Viens par là. Ah, enfin. Le défi va venir. Je ne me rends pas compte. Deux. J'en étais là. Pépé! J'en ai marre d'attendre. C'est quoi ce mec? Pourquoi tu es déjà là? Je t'avais dit de venir plus tard. Enfin, pas grave. Regarde-moi, me voici. Vois-tu cette voiture-là? Pâle. En fait, c'est un Pokémon. Elle contient un joli Pokémon. Tu peux la voir, vas-y. Mon pépé, viens-moi. Patience, man. Tu en auras à temps. Tout à l'heure. Tout à l'heure, donc il a moins. Hein. Il me prend, petit voleur. De quoi un rang? Il me laisse Pokémon. Parce que pique un Pokémon. Mien. Que fais-tu? Pépé, je veux celui-là. Mais enfin, mais. Bah, c'est que. Ok. On est donné un peu tard. On va venir par là. Voilà, voici un Pokémon capturé un peu plus tôt. Il est pour toi. Mais il est encore un peu sauvage. Maintenant, je reçois un Pikachu. Un Pikachu qui vient capturer. Je vais vous donner son nom à Pikachu. Ah non, c'est bon. Mais généralement, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Il va dire Pika, il va le sortir tout pour tout le monde. On a fait le combat avec lui. Moi je pense que je vais y aller. Franchement, une minute! Enfin, voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, minable. Je te demande qui est le plus fort. Enfin, on peut avoir de la chance. Parfois on gagne, parfois on perd. Mais j'ai jamais perdu contre un Evoli. Moi je perds dans Pokémon Bleu ou Rouge deux fois. Mais dans ce jeu, jamais, c'est bizarre. J'ai appelé à Evoli. Allez, on envoie Pikachu. Pikachu, je vais lancer l'éclair. Donc, Pikachu, c'est clair. Evoli va passer une charge. Ça en fait des dégâts. Je relance l'éclair. Donc les volets ennemis, je m'en suis mis en cœur, je vais la jouer. Donc, j'ai lancé un éclair, je lance là-haut, à presque à tapis, donc lance mon éclair, puis Pikachu est à la défense, donc il va me faire beaucoup de dégâts si il me tape. Je pense que pour tous, pour un nid, le évolue en éclair, gagne 45 à l'expérience. Et je monte au niveau 6. Yes. Ok, après mille queues. Normalement, on a 28 semaines. Oh, incroyable! J'ai pas pris le bon Pokémon. Je sais pas pourquoi il le dit parce qu'il avait un seul Pokémon. Peut-être un petit bug. Et sinon, il voulait dire pour que le jeu soit plus fini. Ok, je vais entraîner un Pokémon. Ok, à plus tard. Bah tiens, je sais pas comment. On dirait que ton petit Pikachu n'aime pas les Pokéballs. Tu devrais peut-être le garder. Ok. Au moins comme ça, il sera content. Tu peux lui parler et voir s'il commence à prendre. On va voir. Il veut même pas me parler. Bon, dès ce temps-là, on va passer la première petite minute, il faut se garder. Sauvegarder, oui. Garde, Marwan, sauvegarde la partie.
un petit tuto pour une vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et au revoir, à très bientôt pour la prochaine vidéo.